Salut à tous, c'est Mr Freeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai recommencé déjà deux fois parce qu'en fait j'essayais de recruter des persos et je l'ai pas fait dans le bon ordre. Donc ce qu'on va devoir faire là pardon, je suis un peu enroué, excusez-moi. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une équipe composée uniquement de filles. Donc faut pas qu'il y ait juste qu'il y ait pas de mec, hein. Faut vraiment qu'il y ait absolument 5 filles. J'aurais dû garder Nanami, même si c'est un garçon manqué. Il bloque pas beaucoup de filles dans l'équipe. Dans l'équipe. Je veux dire, pas beaucoup de filles tout court. Donc on va prendre Rina, Millie et Ophine. On vient de recruter. Voilà, donc à ce point-là, si vous avez pas recruté Yoshino, vous devriez avoir Tuta, la petite fille là du docteur. Voilà, mais avant, il est impossible de le faire puisque. Tant qu'on n'a pas. Comment elle s'appelle? Les deux sœurs là, Rina et Ellie. On n'a pas cette fille pour le faire, donc on peut pas le faire avant. Il faut absolument le faire maintenant apparemment, parce que je pensais que non. J'ai voulu faire la suite du jeu avant de le faire et bizarrement, ben on peut pas. On peut pas, alors est-ce que c'est parce qu'il y avait des mecs dans mon convoi? Vous savez, ceux qui nous accompagnent pour la quête principale, je sais pas. Mais... Bref, je vous conseille de le faire maintenant. Si vous vous rappelez, cette vieille dame qui nous disait depuis quelques temps, il y a des gredins qui attaquent uniquement les filles. Donc voilà pourquoi il faut venir avec une équipe uniquement de filles, et passer simplement ici. Si vous n'avez pas de filles, en fait, les trois persos là, ils apparaissent pas. Donc ouais, il y avait un mec qui nous a attaqué par derrière. On va envoyer Oulan, un nouveau perso. Donc là on peut lui demander directement. Voilà, on lui explique exactement ce qu'on fait. Et voilà comment on recrute Oulan. Donc c'est un perso. Pas si facile que ça à recruter, hein. Faut parler au. Si on parle à tout le monde en fait. Si on parle à tout le monde, on peut y arriver. Ça, faut absolument retirer une personne. J'en ai maintenant. Voilà. De toute façon, on va changer l'équipe dans pas longtemps. Je vais quand même regarder. On va retourner au port. Je vais quand même regarder s'il y a des persos qu'on peut recruter tout de suite ou pas. Ou s'il faut déclencher la suite. Voilà, il y a Tayo et Yamku. Venez dans notre groupe.
Ouais, bah si, on peut déjà le faire du coup. Voilà, ça c'est une des raisons pourquoi j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois. Il faut absolument gagner 5000 punch. Sauf que si on perd, et ça arrive souvent parce que c'est un peu basé sur la chance, ça se rajoute au truc qu'on doit gagner. Par exemple, là, si je perds mes 1000, bah, je devrais gagner après 6000, quoi. Vous voyez, en fait, la somme qu'il y a à gauche, c'est la somme qu'on doit gagner pour qu'il nous joigne avec son frère, Yamku. Voilà, c'est vraiment basé sur la chance. Parce que autant nous, on peut faire en sorte de pas faire trop de conneries, autant si lui fait un super score, bah, on perd, quoi. Voilà, il a pas fait de score. Donc là, si on fait pas de la merde, on va y arriver. Hop, 4000 à gagner. Avec la chance avec nous, on va mettre 2000. Je vous rappelle, les règles sont assez simples. Ok, 2. Oh, le sale enfoiré. Putain, mais ça, ça a gerbé, ça, ça m'énerve. Allez, je vais à fond. Vous voyez, ça, on peut rien faire contre ça. C'est qu'en fait, si on fait... Oui, je vous rappelle la règle. Faut qu'il y ait deux dés identiques et le troisième compte pour le point. En gros, s'il y a deux dés identiques, n'importe lesquels, et un 3, on a 3, par exemple. Et donc, plus le chiffre est haut, mieux on a de chance. Et si on fait une suite, c'est bien aussi. Et si on fait 3 dés pareils, ben, on gagne quoi qu'il arrive. Faut même pas essayer d'égaliser. Donc là, du coup, en plus il gagne le double. Donc du coup, ou le triple, je sais plus. Je sais plus si c'est le double ou le triple qui gagne, mais. En tout cas, il nous a massacré ça. Là. Voilà, plus de 4000. On faisait 2000. En 3. Pas mal. Donc la première fois que j'ai fait la vidéo, je me suis fait complètement massacrer là-dessus. Bien sûr, on perd. Et ça peut durer des années comme ça. Hein. Bon, j'exagère, mais. Et forcément, à un moment, on a plus d'argent. Ou on gagne, mais bon. Fort de la chance, et c'est assez chiant quand on fait des vidéos. De devoir faire un truc basé sur la chance, c'est de recommencer 15 000 fois. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est pas comme au Yams par exemple, si vous connaissez le jeu de dés. Ou je sais plus si c'est le Yams, ou... Non, c'est pas le Yams, c'est le 421, si vous connaissez. Où on a le droit de jouer 3 fois, mais si l'adversaire a joué qu'une fois, on a le droit de jouer qu'une fois quoi. Alors que là, même si il fait un putain de score et qu'il arrête, on peut continuer. On peut jouer 3 fois quoi qu'il arrive. Sauf si bon, il fait 3 chiffres pareils et qu'il gagne direct. Je pense que c'est un vrai jeu de dés qui existe vraiment au Japon, hein, mais je connais pas le perso. Je suis pas un pro des jeux de dés. Peut-être un vieux jeu. Sale connard, Mictaras, pardon. J'essaie de garder mes insultes, mais elles sortent toutes seules. Mais sale con! C'est dégueulasse! Va te faire foutre! Bon là je suis obligé de miser gros hein, parce que c'est soit je mise gros, soit c'est foutu. Donc voilà, hein, voilà, j'essaie de faire ce que je peux, mais... Putain, mais vas-y! Mais c'est quoi ce bordel? Va égaliser ça là! Ah yes!
Oh la chatte. Je vais essayer de faire en deux fois. Ce qui est chiant, c'est que c'est que de la chance. Alors même si je gagne, je vais même pas être content parce que c'est la chance, quoi. Bon, je vais cliquer comme un connard. Hein. Ah ben voilà, ça suffit. C'est n'importe quoi ce jeu. Je suis énervé comme un con parce que je me suis dit, de toute façon je vais recommencer la vidéo alors je peux balancer les insultes comme un con. En fait non, je recommence pas la vidéo du coup. Il fait marrer son frère avec ses cheveux dans la gueule, on dirait le... dans Boule et Bill, l'ami de Boule. Avec les cheveux devant les yeux. Voilà voilà, donc du coup, ça, eux on peut le faire qu'à partir du moment où on a recruté Yamada. On va pas partir en bateau. Mais on va... aller au sud, à South Window. Pour recruter un perso bah, qui est vraiment sympa. Qui est même puissant. Et qu'on peut louper. On en a déjà parlé avant, c'est Clive. C'est le perso là qui avait une scène avec une femme bizarre. Et c'est aussi le perso qui a une quête à lui où on peut... une quête à lui où on peut... on peut voir son histoire entière en atteignant certains points du jeu très vite. En moins de temps d'heure. Bon. Ça je vous ai dit, je le ferai peut-être après, mais je peux pas prendre mon temps pour recruter et faire ça en même temps. Faut vraiment être un pro de Suikoden 2 pour faire ça. Hein. Ah bah non, il veut pas. Il veut pas parce qu'on a pas encore le bateau en fait. Bah y'a pas de soucis mec. Je reviens dans une minute. Bon c'est vrai que les combats aléatoires sont pas trop fréquents sur la map. Voilà. Donc là ce qu'on va faire... Mais pourquoi je suis revenu à ce couscous comme un boulet? J'ai cru que j'étais en train d'aller à North Window mais non. Enfin North Window c'est le château. Hein. Bon bah on va... on va voir si on peut prendre un bateau d'ici ou pas. Eh non on peut pas. Parce que normalement il y a un mec. Il y a son grand-père là justement au gamin. Qui nous permet d'avoir un bateau. Mais ouais ouais mais je suis con, c'est quoi. Je réfléchis pas avant de faire les choses, c'est un truc de fou. Forcément qu'on peut faire le bateau sans avoir le bateau avant dans le jeu. Au début je me suis dit bah peut-être qu'on peut faire le bateau juste pour en passant par là et pas depuis notre QG. Mais non il n'y a aucune logique parce que si on pouvait avoir le bateau ici, on pourrait aller dans les villes. On n'est pas censé aller avant d'avoir le bateau dans l'histoire. Donc bah cherchez pas. Cherchez pas à comprendre ce que je dis. Si vous comprenez pas. Je m'embrouille tout seul. Putain, j'aimerais bien voir quand même. Qu'est-ce qu'elle a comme. Ruine dragon furieux. Ah, ça a l'air sympa. On va regarder quand même le pouvoir d'Oulan, hein. Ça a l'air sympa. Je m'en rends pas compte, moi. Ah, quoique. Ça, c'est la petite bête de Millie hein, qu'on a combattu en boss. Alors on va voir Yuban. Ah c'est du Shoryuken là, c'est Street Fighter style. Sympa sympa. On va finir le combat hein, on va arriver là. Autant garder l'argent avec XP. Beaucoup d'XP c'est clair. Et essayez toujours de faire fuir au lieu de pot de vin parce que pot de vin ça peut vraiment faire perdre énormément d'argent. On est sûr de fuir.
Mais là par exemple, la première fois, enfin la deuxième fois que j'ai essayé d'enregistrer cette vidéo, j'ai fait pot de vin, j'ai perdu 5000 potch. Et pour info, j'en ai 23 000 après avoir gagné contre Tayo au jeu du dé. Donc ça fait un paquet d'argent quand même. Pourquoi deuxième? C'est deuxième ou troisième? Non, c'est bien, c'est deuxième. Voilà. Oui. Forcément, vu que je l'ai enlevé de mon groupe, faut que je le reprenne. Vraiment sympa l'ascenseur. Hein. En plus, ils nous font pas une petite musique d'attente ou un bouh comme ça, la sœur qui descend, c'est quasi instantané. En même temps, c'est le seul intérêt de l'ascenseur, donc si ça prenait autant de temps que de faire à pied, ça servira à rien. Alors, on va remettre. On va enlever Rina par exemple. Puis on va mettre. Qu'il est Amada. Faut juste qu'il soit dans l'équipe. Ça, par contre, c'est un peu dommage en fait qu'il y ait des trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait Yamada. Enfin, pourquoi je dis Yamada? C'est Amada. Pourquoi il faudrait qu'il y ait Amada dans l'équipe pour déclencher la suite du jeu? On l'a recruté, il aurait dû faire que. S'il l'a recruté. Enfin, si on a vu l'événement avec Amada avant, bah, ça déclenche automatiquement la suite du jeu. Ouais, peut-être c'est pour un souci de logique, vu qu'il est dans l'équipe, là il sort de notre perso, c'est logique, je sais pas. Bref, c'est vrai que là, je crois qu'il est pas encore recruté Amada en fait. Hein. Je suis pas sûr. Si, il me semble qu'on l'a recruté. Je veux dire, il est avec nous, mais est-ce qu'il y a l'événement... Amada a été recruté quoi, il s'est déclenché ou quoi. Je crois bien. Voilà, donc ils sont pas trop cassés cul pour le nom des villes, comme vous pouvez le voir. Bon, on va garder. Qu'est-ce qu'on va mettre? MCM L. Millie, j'aime pas trop. C'est pas un perso très puissant. Ce qui est pas étonnant hein, vu que c'est un des persos du début de jeu. C'est comme Tuta est complètement pourri. Hein. Kinnison, bof, tout seul il sert à rien. Ah tiens, on va mettre Taiho. Et on va mettre. Alors, je vous rappelle les C, c'est ceux qui sont que au corps à corps, L que à distance. Bon, on peut les mettre devant, mais ça sert à rien. Et les M, on peut les mettre devant ou derrière pour attaquer. Je sais pas, est-ce que je devrais mettre des persos qui sont bas level ou... Bon, allez, on va se marrer, on va mettre tout ça. Bah, ça me paraît bien comme ça. Petite avec ses 17 PV. Je crois qu'elle va prendre cher. Voilà voilà, donc ça c'était le recrutement, et on va enfin pouvoir continuer le jeu. Alors hein, c'est... Bah, pourquoi j'y vais à pied? C'est pas grave. C'est ça Suikoden, hein, c'est aussi des gros fraises de recrutement. Donc désolé mais je compte faire le jeu entre guillemets à 100%, enfin recruter les 108 étoiles. Donc il y aura forcément des vidéos où l'histoire avancera pas trop et il y aura du recrutement. Et puis je préfère faire le recrutement de plein de persos dans en même temps, pardon, que de faire du recrutement, enfin de faire 50 allers-retours, ça sera encore plus long quoi. Voilà, donc du coup, on va aller à l'ouest, à Lake West, hein, parce que c'est à l'ouest du lac, c'est le nom de la ville. Il faut passer par Lake West pour aller à Two River, qui comme vous vous doutez... Vous vous en doutez, c'est une ville où il y a deux rivières.
Il fait vraiment stresser lui, c'est marrant. Voilà. Donc on va bientôt voir si c'est un piège ou s'ils veulent vraiment de l'aide. Hein. Voilà. Donc là, on pourrait quitter tout simplement la ville. Ma dague sert pas trop à grand chose sur le coup. Là on a la possibilité. Eh merde, j'ai oublié Cleave. Putain de con. Fallait qu'on ait le bateau avant. Ben on va retourner en arrière. C'est quoi ça? Je suis désolé, je suis vraiment n'importe quoi dans cette vidéo. Et encore ça va parce que je l'ai recommencé trois fois justement parce que c'était un massacre avant. En fait la première fois j'ai perdu en boucle contre Taiho au jeu du dé. J'avais plus un sou. J'avais perdu au moins 10 minutes, enfin, c'était n'importe quoi. Du coup bah j'ai dû recommencer. La dernière fois j'ai recommencé, j'ai battu Taiho direct, aucun problème. Et après en voulant recruter Ulan, la femme là, on recrute en ayant une équipe qu'avec des femmes. Et ben l'événement se déclenchait pas, donc j'ai pas trop compris pourquoi j'avais pourtant 5 filles dans l'équipe. Et je pense que c'est parce que vous savez là dans des fois il y a convoi, il y avait Feature et Feature et comment il s'appelle? Et Amada dedans. Donc je me suis dit ça doit être à cause de ça. Et du coup bah j'ai dû recommencer parce que j'avais mis trop de temps à chercher à déclencher l'événement d'Ulan. J'ai recommencé hors vidéo plusieurs fois d'essayer de recruter Ulan. Je me suis rendu compte que je pouvais pas le faire quand il y avait Feature et Amada dans le truc. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est qu'à partir de maintenant on peut plus la recruter? Ce qui m'étonnerait quand même. Je pense plutôt que c'est parce qu'il y avait Feature et Amada dans le convoi et que ça comptait comme des non-filles. Bon. Alors, Cleave. Faut leur redemander. Et là, vu qu'on a le bateau, il y a une nouvelle réponse qu'on peut donner. Je peux vous emmener avec Quest. Voilà. Parce que lui, hein, il est toujours en chasse de la madame. On va retirer quelqu'un. Bon, allez. Mon Cleave il est assez puissant, c'est un mec à distance, il a un fusil en fait. Il est assez sympa comme perso. Voilà voilà. Donc un nouveau perso de recruter. Et il faut re-retourner à la quest. Où on a un perso à recruter aussi d'ailleurs. On a un perso à recruter à l'Equest et un autre à Two River. Donc voilà, bah j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé quand même dans cette vidéo. J'ai un peu ragé, pas beaucoup avancé dans l'histoire, mais bon. Le but aussi c'est de recruter tous les persos possibles. Alors oui, j'ai loupé un perso au début du jeu, comme un connard, que j'avais complètement oublié. C'est au tout début, quand on retourne chez nous, dans l'arbre, il y avait un perso à recruter. C'est pas grave, on peut le recruter plus tard, heureusement. Parce que sinon j'aurais jamais eu les 108 étoiles. Il y a très peu de persos, hein, il y a même pas une dizaine de persos, non, il y en a beaucoup moins que ça même. Non ouais, à peu près une dizaine. Il y a à peu près une dizaine de persos que si on les recrute pas au bon moment, c'est foutu. On pourra plus jamais les recruter. Par exemple, il y a eu Gilbert. Pendant la bataille là où on l'a recruté, si on le recrutait pas, il meurt, c'était foutu.
Voilà, donc nous voilà de re-retour à les quests. Donc je préfère pas faire une vidéo de 50 ans. Attention. Non, on peut le recruter tout de suite lui. Peu importe. On va pas se soigner, on va sauvegarder direct. Puis je vais vous dire la prochaine fois où l'aventure va un peu plus être un peu plus constante, on va dire. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé dans l'histoire. C'est la cinquième fois que je le dis, mais c'est pas grave. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu quand même, malgré tout. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait du Suikoden. Ça faisait plus de 3 mois que j'en avais pas enregistré. Et oui, j'étais un peu perdu, j'avais pas trop de repères, j'ai dû refaire plusieurs fois les vidéos. J'espère que le rendu est quand même un minimum potable. Que vous êtes nombreux à suivre Suikoden, parce que bah, franchement c'est un bon jeu. Bonne musique, bon gameplay, bonne histoire. Bah... Et plus le jeu avance, mieux c'est quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui le regardent, je vous encourage à continuer, même si ça vous paraît pas si bien que ça, je vous assure que c'est vraiment excellent. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez la suite. J'essaie justement d'enregistrer plus de Suikoden que de Final Fantasy VII, parce que j'ai vu qu'il y avait plus de gens, enfin... Il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils préféraient voir Suikoden, parce que FF7 était trop vu. Il y avait trop de gens qui le faisaient, etc. Donc voilà, je vais continuer à mettre FF7, mais je vais mettre du Suikoden en même temps. Voilà, je parle un peu pour rien. Je vous dis à la prochaine. Pour Two River, la ville de Two River, donc la suite du jeu où Future nous a donné rendez-vous. Allez, à la prochaine, salut!